Good morning, allez, Yiden, l'étude sera aujourd'hui les refouat, le bien Israël Shimon ben Chaya Esther, Inon Chai ben Jessica, et Shmuel Meir ben Miriam Serel, Betor Shachol Israël, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Psachim, Perek Aleph, Mishnah Bet. En Choshechin Shema Gerera Chulda, mi bait le bait, ou mi makom le makom, de imken, me chatser le chatser, ou me ir le ir, en la davar sof. Mishnah. Très simple, à la limite même trop simple, qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle est venue nous apprendre, comment la rattacher. Il y aura deux interprétations et des halakhot un petit peu sympathiques qui vont découler de là. Et on commence par traduire. En Choshechin Shema Gerera Chulda. On ne craint pas, peut-être, de peur, qu'une Chulda, c'est un rat, l'a tiré. Mi bait le bait, ou mi makom le makom. D'une maison à une autre maison, ou d'un endroit à un autre endroit. Soit la Mishnah, elle vient me dire en deux mots, par rapport à la Bdikatrametz, tu crains pas qu'il y a un rat qui est venu, qui a pris du pain d'ici, qui l'a amené ailleurs. Nous, et après, on va voir. Et la Mishnah justifie cette raison. Pourquoi est-ce que je crains pas ça? Des imken, parce que si c'est ainsi, mechatser le chatser, omeir le ir, d'une cour à une autre, et d'une ville à une autre ville, et là, d'abord, sauf, on n'en finira plus. C'est-à-dire, tu vas continuer à chercher le chametz. T'as cherché le chametz dans ta maison, peut-être que dès que t'es sorti, il y a eu une souris qui est venue avec du pain du voisin qui est rentré chez toi à la maison et tu vas recommencer la bdikat chametz et tu vas jamais finir. Et même si vous avez fixé que tout le binyan, tout votre immeuble, vous allez tous faire le chametz, la bdikat chametz en même temps, mais peut-être que l'immeuble d'en face, alors quoi, vous allez aussi dire à l'immeuble d'en face de faire en même temps. D'accord, mais finalement, il y aura bien quelqu'un qui va pas le faire en même temps. Ce sera un moment, mais ir la ir d'une autre ville. En la davar sauf, vous allez plus jamais vous en sortir, vous allez plus pouvoir faire la bdikat chametz. Voilà une Mishnah un petit peu originale. Que, en fait, elle a deux interprétations. Rashi, qui l'explique de manière... le Magen Yeshaya rapporte les deux. Rashi, il explique que, réellement, on est venu t'apprendre qu'une fois que tu as fait la bdikat chametz, tu ne te soucies plus, et que donc tu as vérifié un endroit, tu as fermé la maison, tu as fermé la chambre, tu fais attention maintenant que plus personne ne fait entrer du chametz dans cette chambre, la chambre, elle est badouk, elle est vérifiée, et puis maintenant on ne craint plus qu'il y ait peut-être une X ou Y raison de chametz qui est rentré par un oiseau, par une souris. Le Rambam, lui, il rapporte cette Mishnah-là, il la rattache à la Mishnah précédente, en fait. On est en train de définir les lieux exacts dans lesquels il faut chercher le chametz. Pour vous rappeler, on avait dit dans la Mishnah précédente, « Kol makom shenu machnisin bo chametz, en tsarich bdika. » Tout endroit où on ne fait jamais entrer du chametz, de manière générale, on ne fait pas entrer du chametz, alors il n'y a pas lieu de faire le bdika chametz. Ouais, on avait dit, dans votre salle de bain, vous ne faites jamais entrer du pain, il n'y a pas besoin de faire le bdikat chametz dans la salle de bain. D'accord? Si toutefois, réellement, vous ne faites pas rentrer de pain. Si toutefois, vous rentrez de nouveau, on a toujours le même problème avec les poches et les bonbons et les gaufrettes dans les poches. Mais si toutefois, c'est un endroit où on ne risque pas de mettre du linge là-bas et oublier une gaufrette, eh bien, ça s'appelle Makom Shenu Machnisin, il n'y a pas besoin de le faire le bdikat chametz. Va venir maintenant quelqu'un, il va me dire, oui, mais peut-être que. Ah, peut-être que quoi? Peut-être qu'il y a un rat, une souris qui a mis du chametz. Viens la Mishnah et te répond et te calme tes nerfs en te disant écoute, calme-toi, parce que si tu commences comme ça, tu vas jamais, tu sais quoi, je vais moi marcher selon toi. Tu vas jamais t'arrêter de faire la bdikat chametz. Tu vas commencer à vérifier, puis après, peut-être que maintenant il y a eu la souris qui est venue. Alors quoi, tu vas lui donner une limite? 24h, oui, 48h, non, comment tu vas faire? Donc tu n'as pas de limite. Donc en fait, de là, on déduit en fait, il y a une très longue Gemara, ensuite qui nous raconte. Qui détaille en détail dans quel type de chash on craint qu'on a fait rentrer du chametz. Si c'est quelque chose que concrètement tu rentres avec du chametz, alors là il y a lieu de craindre que tu l'as laissé là-bas. Mais sinon, si c'est juste un soupçon, même mieux que ça, on a vu une souris qui a pris du chametz, mais on ne sait pas si après elle est partie là-bas ou elle est partie là-bas. Et bien pour le moment, tu n'es pas encore chayav de bdikat chametz, parce que tu n'as pas vu le chametz rentrer dans la maison. D'accord? Ça c'était un. Et deuxièmement, à part ça, il y a un autre sujet qui n'est pas développé ici dans le Mefarchim, mais qui est développé dans la Gemara. La Gemara, donc, elle me dit que, de cette Mishnah, je déduis que, halakha super importante. Une fois qu'on a fini la bdikat chametz, c'est qu'on a réuni tout le chametz dans un endroit spécial. Dans un endroit défini de la maison, on a dit que ça y est, il reste ici. On fait attention à ce que toute la maison est bdikat, il faut savoir ça. Quand on a fini la bdikat chametz, le principe c'est d'avoir fait que maintenant on a donné un tampon kasher sur toute la maison qui n'a plus de chametz nulle part. Il ne faut surtout plus rentrer manger du chametz dans une chambre. D'accord? Pas question. On a défini que maintenant, on va finir de manger le chametz qui reste dans ce coin de la maison,
Et ce coin de la maison, on lui fera la petite crevette. Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous vous levez? Maintenant, si vous vous levez, vous savez plus combien vous aviez laissé de Hametz ici, vous vous levez le matin et vous remarquez que peut-être qu'il y a du Hametz qui a disparu. Alors là, Michel Lagma, elle explique comme ça, elle nous dit, c'est vrai que je crains pas qu'il y ait eu un rat qui ait déplacé le Hametz. C'est à la condition où j'ai pas vu de Rissaron, j'ai pas de doute pour le moment qui était soulevé. Mais si toutefois, j'avais déposé par exemple 10 bouts de pain, il ne m'en reste plus que 9, il y en a un qui a disparu. Alors dans ce cas-là, je vais oui craindre qu'il y a eu une souris qui est venue, qui l'a prière, je vais recommencer à faire le petit 4 messes dans toute la maison. Ça, c'est lorsqu'on avait 10 bouts par exemple et qu'on a un qui a disparu. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.